Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 10 avril. Il est 18h51. J'ouvre le vlog. Alors, le fondant du jour, c'était le fondant gâteau Noël, puisque je ne l'ai pas allumé hier, puisque hier, il n'y a pas eu de vlog. Je m'en excuse, mais j'étais en mode épuisée totale. J'avais dormi à peine 3 heures dans l'après-midi. J'étais au bout de ma vie. J'ai dû redormir un peu après que les chiens ont mangé, donc vers 18h30 jusqu'à 20h, un petit truc comme ça. Et après, on s'est couché avant 1h du matin, puisque Jen avait son entretien ce matin, donc elle devait se lever à 7h. Et elle dormait pas à 2h, d'accord, donc t'as vraiment pas beaucoup dormi. Donc ouais, donc là, son entretien en soi... C'est bien passé, mais il y a un couac. Il y a eu un couac de bus sur le retour, mais après sur le trajet où elle devait aller chercher la gamine à l'école. Elle avait oublié de me dire quelque chose. Voilà, il y avait une pente comme ça. Et 40 minutes. Alors il y a 20 minutes pour une personne qui marche normalement. Sans la petite de 4 ans. Sans la petite, voilà. Donc tu comptes 40 minutes pour la ramener de l'école. Et après, il faut la faire jouer, lui donner un bain et lui faire à manger. Jusqu'à 19h. Pas possible. Et là, la personne lui a dit clairement que les deux personnes avant avaient abandonné dû à cette côte. Voilà. J'avoue que la côte est violente parce que si c'est celle à laquelle je pense... Ah, il y en a qu'une. Non, il y en a plusieurs. Mais si c'est celle à laquelle je pense, elle fait mal. Elle fait très mal. Donc voilà. Donc après, voilà. Donc bon, en soi, l'entretien s'est bien passé, mais si Jen ne peut pas marcher, elle ne pourra pas honorer l'entretien. Je sors de la douche, alors je suis luisante parce que j'ai mis de l'huile d'amande douce, parce que j'ai toujours ma lèvre là, qui me fait super mal. Donc je pense que je vais mettre de l'huile d'olive, voilà. Parce que l'huile d'olive m'hydrate vachement les lèvres. Excusez-moi, j'ai reçu un message. L'huile d'olive hydrate vachement mes lèvres, donc je vais mettre un peu d'huile d'olive. Avant, je vais boire mon café, parce que je n'ai toujours pas bu mon café. Voilà, c'est presque 19h, je n'ai pas bu mon café. Les garçons vont sûrement venir. Parce qu'il y en a un qui dit qu'il vient, c'est sûr, mais c'est pas lui qui conduit. Donc bon, c'est mon chéri qui conduit. Et mon chéri, je lui dis, on se voit ce soir, et il me dit, oui, peut-être. Et l'autre, il dit, oui, c'est sûr. Mettez-vous d'accord les gars, parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas sorti. Hein. On n'est pas sorti. Donc ouais, donc moi j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai les cheveux encore humides. Ça fait du bien de prendre une bonne douche pour se réveiller un peu. Parce que je me suis levée 17h10. Parce qu'en fait j'ai mis mon réveil à 17h20. Et en fait on a sonné à ma porte. Et quelle sonnette! Et j'ai eu peur. Parce qu'en fait, au début, j'entendais ma voisine parler sur le palier. Alors qu'en fait, elle parle chez elle. Et en fait, la personne qui a sonné, c'était la mairie. Donc, c'est pas mieux. Au début, c'est la voisine qui a me cassé les couilles et tout. Ça sent pas bon et tout. Ça sent pas bon. En fait, c'est la dame de la mairie qui est venue me demander mon assurance habitation. J'avais oublié de leur transmettre. D'habitude, c'est la première chose que je fais. Et là, j'ai oublié. Donc, j'ai envoyé directement. Elle me fait, vous l'envoyez quand je sais. Dès que j'allume mon PC, je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème. Donc, la première chose que j'ai faite après avoir sorti les chiens, c'était envoyer l'assurance habitation. Au moins, c'est fait. Je suis dans la loi. Voilà. Puis après, Jen est partie en 2-2 faire quelque chose dans la ville. Elle ne s'est pas perdue. Non. Et moi, Charlie s'est caché sous le lit. Ouais, mais Charlie, après ce que t'as fait, j'ai gueulé parce qu'il est parti sous le lit. Il a fait la crêpe sous le lit. Et après, il est ressorti. Mais là, Charlie, c'est la déprime. Dans son bol, c'est vide. Ah bah, il attend 20h. Il attend 20h. C'est la dèche, il n'y a plus de croquettes. Il doit rester 3 croquettes et vous savez très bien qu'un chat... On a juste 6 kilos de croquettes. Hein. S'il y a un trou, il mange plus. Monsieur il miaule juste... Monsieur est précieux. Non, c'est tous les chats. C'est tout. Les chats qui sont comme ça, dès qu'il y a un trou, un malheureux trou au milieu, ils vont pas manger sur les côtés. Il faut qu'ils mangent au milieu. Je sais pas si vous avez des chats qui font ça aussi. Voilà. Vous me dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des chats. Et donc hier, comme c'était la nouvelle lune,
J'ai fait Nuit Blanche et j'ai terminé mon roman Profanation. Voilà, donc je vous mets tout de suite maintenant le passage que j'ai filmé hier où je vous explique le ressenti sur mon livre. Je fais une aparté dans le vlog d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi 9 avril quand je filme ce passage pour le vlog, puisque le vlog il n'y en a pas eu aujourd'hui. Voilà, il n'en a pas eu aujourd'hui, donc vous n'en aurez pas mercredi. Donc vous aurez ce vlog jeudi. Donc je vais une aparté, parce qu'en fait cette nuit, comme c'est la nuit de la nouvelle lune, j'ai bouquiné. J'ai enfin terminé mon livre, donc de Jussi Adler-Olsen, Profanation. Donc c'est toujours les enquêtes du département 5. Il me reste, j'ai saigné la moitié du livre, clairement, j'ai lu la moitié du livre cette nuit. Comment dire, un peu long au début, mais quand on est dedans, on est dedans, je vous le dis. Hein. Et en fait, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je commence à me faire à la plume de Jussi Adler-Olsen. Le fait que la mise en page soit différente des romans francophones dont j'ai l'habitude, parce que je rappelle que c'est un auteur danois. Je rappelle que c'est un auteur danois. Franchement, très bonne histoire. Donc, je rappelle en gros les grandes lignes. Une série de meurtres, d'agressions, qui ont pour suspect les quatre plus grands hommes du Danemark. Voilà. Donc, bien sûr, tout est passé sous silence. Et en fait, il va arriver que ça va commencer à exploser parce que les enquêtes du département 5 doivent régler les affaires non résolues. Tout simplement. Donc, voilà. Donc c'était, ça se passait il y a 20 ans quoi du moins. Il y a 20 ans, non c'est les trois plus grands, les trois grands plus, putain, les trois plus puissants hommes du Danemark. J'ai dit 4, maintenant il y en a 3. Voilà. Alors bon, franchement c'est un bon livre. Donc franchement, si vous aimez le genre policier, excusez-moi, il y a ma fille, c'est si vous aimez le genre policier, d'accord. Parce que ce n'est pas un thriller, il n'y a pas de Il n'y a pas de meurtre en soi. Voilà, c'est pas du Maxime Chatham ou du. C'est pas un Maxime Chatham ou un Granger, quoi. Rien à voir. Ça, c'est du policier. Karen Gable, aussi du policier. Mais voilà. Donc là, je vous dis juste mon impression. J'ai beaucoup aimé, malgré le début un peu lent du roman. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Il faut juste prendre le temps de s'imprégner de l'histoire. Pour se laisser le temps de s'imprégner de l'histoire. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir passer à une autre lecture et j'attends impatiemment de lire Luxe de Maxime Chatham, puisque je l'ai eu à Noël et les avis sont partagés sur ce roman. Donc quoi de mieux que se faire son propre avis? Je vous laisse avec la moi du futur. Voilà, donc vous avez vu mon ressenti sur le livre. Donc j'ai un peu du mal à m'exprimer sur mes lectures, je suis désolée. Mais donc après, c'est toujours Jussi Adler-Olsen. Écrivain danois, comme j'ai déjà précisé. Et en fait, ce qui me dérangeait dans le premier livre, c'était la mise en page des dialogues. Des fois, on va avoir des dialogues avec des tirets, des fois, il va y avoir un paragraphe, on aura des dialogues qui vont s'incruster là avec des guillemets. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de suivre, mais là, franchement, une fois lancé dans l'histoire, ça avance tout seul. La fin n'est pas du tout ce que j'attendais. Mais bon, au moins c'est l'intérêt de pas voir venir les fins des livres. Et donc, je vais. Hop, attendez, je récupère mon livre, le prochain livre. L'attends, celui-là, elle l'attend. Depuis Noël, j'attends de lire le Maxime Chatham. Excuse-moi. Le Maxime Chatham Luxe. Oui, il y a mon marque-tapage. Le Maxime Chatham Luxe. Alors, ce livre a fait beaucoup parler de lui, puisque on connaît Maxime Chatham pour sa tourmente dans les thrillers. Mais ce livre. Est particulier puisqu'il a divisé la communauté chathamesque, puisqu'en gros, on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Rien que le paragraphe, la synopsis, le résumé, hop, faites pause si vous voulez le lire. Voilà, il n'est pas grand. Ça ne nous explique pas grand-chose en soi. Donc j'ai hâte de me faire mon avis, car qu'est-ce qui est mieux pour un livre ou pour un film, c'est de se faire son propre avis. Voilà, comme on a vu avec Mégane, le film qui a fait fureur. Oh, il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien. On l'a Il est regardé. quelconque.
On l'a regardé, mais voilà quoi. C'est. Ah, même se regarder, je suis même pas sûre, quoi. Franchement, toi tu le regardais, mais moi franchement Je le j'écoutais. regardais, mais je n'aurais pas mis 10 balles pour aller voir Voilà, au c'est ça. cinéma. On n'aurait pas mis 10 balles. De toute façon, je vais pas au ciné, mais on n'aurait Non pas mis. plus. On aurait pas... Non, c'est même 15 balles le ciné. Ah On ouais. n'aurait pas mis plus de. On n'aurait rien J'aurais mis. pas mis. On ne serait pas allé au ciné pour le voir, quoi. Personnellement, ça se regarde. Moi, pas seulement, je l'écoutais plus que je le regardais, mais. C'est Voilà. bien foutu, mais Alors oui, les effets, non, c'est pas l'effet spéciaux, puisque la poupée est une actrice, mais. Mais bon, c'est vrai. ça vaut pas 15 balles. Ça vaut pas 15 balles, quoi. Après, il y a d'autres films où on ne mettrait pas un copec qui sont super. Donc bon. J'ai une crevette qui s'incruste, qui sent le caca. Pourquoi? Charlie a été dans sa litière. Mais elle Et était dans la Melba litière de Charlie. a été dans la litière à Charlie. Elle a mangé quelques cailloux avec un petit cadeau en prime. Elle est venue me lécher. T'as une haleine de chiotte, hein, mon chien. C'est le cas de le dire. T'as une haleine de chiotte. Bah ouais, t'as une haleine de chiotte. Donc, il est 19h, apéro. Ouais. Oui, parce que si les garçons viennent, Bientôt maintenant. voilà, ils veulent venir tôt. Parce que j'ai pas compris, il est censé avoir un match de foot. Sur Canal. Mais il est sur Canal, mais j'ai pas Canal+. Donc Z, il va s'asseoir sur son match. Hein. Z, il va s'asseoir sur son Mais match. c'est quoi? En plus, Barcelone, c'est un PSG beau match. Barcelone. Bah oui, c'est un beau match, mais j'ai pas Canal+. Non, bah, et puis c'est bon. J'ai pas Canal+, donc il va s'asseoir dessus. Il sait que j'ai pas Canal+, en plus. Mais je crois qu'il se dit ça pour que Ramzy bouge son cul. Ouais, mais bon. On va dire que il y a Le pas mieux. ramadan est fini, merde. Hein. C'est Ras le vrai. bol. Et en plus, aujourd'hui, c'est les 1 mois avec mon chéri. Waouh. Ouais, c'est beau. Faut que je lui rappelle. Non, justement, dis rien. Pourquoi? Pour voir si lui s'en rappelle. Ça m'étonnerait. Bah, il sait quand même que c'était avant le ramadan. Oui, c'était la veille du ramadan. Le ramadan, c'était Vous avez le. tenu un mois, les gars. Un On mois. a tenu 1 mois. 1 mois de ramadan. C'était pas le plus facile, Ah hein? non, c'était pas le plus facile entre l'épuisement. Voilà, l'épuisement des garçons. L'interdit. 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 Compliqué. Ah, c'est très compliqué C'est là. fini maintenant. Ah là, c'est fini le ramadan. Là, c'est bon. Donc, faut que je peux leur faire leur lasagne et qu'ils me cassent pas les couilles. Ok, merci, lol. Hein? Ok, merci, lol. Non, lol, merci. Oui, ben ok. Il Non, il n'y a pas eu de hockey. n'y a pas eu ok, Il y d'accord. a lol, merci. Il n'y a pas mis ok, Non, normalement. ça refroidit. Ouais, mais bon. Donc, bon. Donc, hier, on a mangé du guacamole. J'en ai mangé là tout à l'heure C'était avant. bon. Avant d'aller à la douche. Oui, il est bon, hein. C'était bon, mais qu'est-ce que ça cale? Ah oui, ça Je cale, croyais que ça. j'allais dormir direct. Et ben non, Là, ça justement, cale j'ai fait dormir le en plus. guacamole, ça cale. Après, c'est surtout les chips qui calent. Parce c'est pas les chips un peu légères, pleines de gras et pleines d'huile qui passent toutes seules. Non. Là, c'est des pains, donc. C'est surtout du guacamole aux chips, j'ai envie de dire. Bah non, non, du guacamole. Bah c'est le principe, hein, c'est pas une chips au guacamole. Hein. Tu le bois le but du guacamole, c'est de bien tremper ta chip. Chipon. Chipon. Shipper, arrête de shipper. Chipon du verbe chipouner. Chipouner. C'est Chipoune. mignon, ça aussi, chipouner. Hey, chipoune, elle, maintenant. Après le chouminet, J'ai fait un chouminet tout à l'heure, t'as vu? hier elle nous a fait un poufinet. C'était pas le chou, c'est un pouf. Un poufinet. Un poufinet. Aime bien. Aime bien. Ouais. Le décoiffouillage, non, Décoiffe touche. le décoiffe-touchage. Non, pas décoiffe-touffage. Décoiffe touche. Non, décoiffe-touffage. Décoiffe touche. Non, mais arrête de touche. Il n'y a pas de touche. Décoiffe touche. Non. Décoiffe tout faf. Suis décoiffée. T'es des décoiffes tout fait. Décoiffe tout fait, voilà. Voilà, donc du verbe décoiffe-touffage. Oui, Jen invente des mots. C'est pas mal. Il est vrai. Jen invente des mots et moi je les répète. Ça reste. Ah non, non, Quand non. je pète, ça sent la rillette. C'est C'est parce parce que qu'elle j'ai pète. trop mangé de croquettes. T'as trop mangé de caca de Charlie surtout. Il est où celui-là d'ailleurs? Sous le lit. Je sais pas. Charlie? Non, il n'est pas sur les chaises. Bah non, il a plus de croquettes. Oh bah écoute. Dans un panier? Peut-être l'autre au fond, mais je vois pas.
Non, il n'est pas dans un panier, mais le dessous de mon lit. Pourtant, je l'ai vu sortir tout à l'heure. Charlie? Charlie, sors du sous le lit. Tu ramènes les moutons. Sors du sous le lit. Oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse mon lit correctement parce que là, c'est n'importe quoi. Ouais, j'ai parfumé un petit peu le lit. Oui, non, mais. Oui, il y a du Il y carton a du partout. carton partout. J'ai juste fait un petit coup d'aspirateur. Ouais, hier, j'ai fait le gros ménage. C'était hier? Oui. Avant-hier. Avant-hier? Oui, parce qu'après, on a retrouvé des bouts de corde hier. Bref, t'as fait le grand ménage. J'ai fait le grand ménage, mais j'ai pas fait le ménage hier. Oh non, hier on était en mode larve. En même temps, hier on est allé chez Action vers midi et demi. À la base c'était 16h, mais comme mon colis de cire est arrivé plus tôt, j'ai dit à ma mère, tu peux passer plus tôt, comme ça t'évitera de ressortir le soir. Et puis en plus, 16h, par là où on est passé, le retour, bouchonné. Donc on allait chez Action, donc j'ai trouvé que 6 boîtes sur 7. Et On a non, c'était acheté des pas... conneries, hein? Non. Si on a acheté des conneries. Bon, on a acheté des conneries, il n'y avait pas d'alaise. Mais non, je l'ai dit ça. Mais, ah non, hein? Ah non, hier on était mardi. Donc je ne l'ai Oui, pas dit dans le vlog. bah non, il n'y avait pas de Il n'y a vlog. pas de vlog, il n'y avait pas de vlog On est hier. parti chez Action, on a acheté des boîtes. Des C'est sûr boîtes. que tu l'as dit. Ben ouais. Ah non, j'ai parlé du action de il n'y avait pas de boîte et il n'y avait pas d'alaise. L'autre action. Et là, il y avait 6 boîtes et pas d'alaise. Six boîtes qu'on a reconstituées, Voilà, tu veux 6 dire? boîtes qu'on a reconstituées parce qu'en Tu. fait, il manquait tous les petites accroches, les accroches noires. C'est non. Donc, on a dû choper toutes les accroches sur d'autres Va boîtes. chercher ta corde. On n'a pas trouvé d'alaise. Jen s'est pris un dentifrice et Oui. après, j'ai pris 3 Arizona à la merci. J'ai un stock d'Arizona monstre. Mes pattes. Tu les as pas mis en produit terminé? Non, mais je vais le faire. Surtout que je le rachèterai, ça. Jen s'est pris des mac and cheese. Eh ben, écoutez, J'ai pas voulu goûter. bah, tu peux encore, hein. C'est normal. Suis pas. Bah, moi non plus, j'étais pas fan du contenu. Voilà, Jen a acheté les mac and cheese, 99 centimes. Elle s'est fait deux bols. Deux grosses. Un bol hier et un bol tout à l'heure, il reste un bon bol. Ouais, bon, elle s'est fait ouais, deux grosses, deux, trois gros bols. Donc, en gros, pour. 400 grammes. Pour 99 centimes, c'est correct. J'ai été agréablement Donc, surprise. agréablement surpris. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. elle qui dira son avis Oui. dans le produit terminé. Et puis après, on s'est pris de la viande séchée et des mini Kinder Bueno. Ah bah alors ça c'est tuerie. Faut pas Hein? spoil, hein. Mais après, non, mais le action, on s'en fout. On n'a pas fait de haul. Non mais pour les produits terminés. On va pas mettre les Kinder Bueno dans les produits terminés. Tout le monde connaît les Kinder Bueno en produit. Moi j'ai envie de parler. Mais il paraît qu'on me voit pas assez. D'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles de Thomas presque. Bah évidemment t'as pas posté. Thomas, où es-tu? J'ai un star sur le nez. Faut pas faire ça. Ah oui, surtout quand tu bois du coca. Ça pique. Ah oui, le coca qui remonte par le nez, ça pique. Moi, j'ai très mal à la joue. Puisque je vous expliquais que lundi, non. Bah tu l'auras pas expliqué, je crois. Si, c'est dimanche que ça a cassé. J'ai cassé ma dernière dent. Et en fait, le truc, c'est que j'ai le côté. Puisque Thomas m'a dit qu'il y avait aussi des problèmes de dents. Ah oui, c'est J'ai vrai. coupé. J'ai le, en fait, le truc, c'est que j'aurais préféré que le côté coupant soit du côté de la langue. Ça fait un peu moins mal parce qu'il est du côté de la joue. Ce qui fait que dès que je parle, moi, dès que je parle ou que je vais un truc, ça se coince dans ma joue et ça me fait des aphtes. Voilà, ça pince. Et en plus, ça pique. Parce que c'est vraiment un côté tranchant et piquant. Voilà. Donc vivement le 14 mai que j'aille au stomato et qu'il me fixe un rendez-vous pour l'extraction. L'extraction qui sera pas avant mi-juin. Même un peu plus tard que mi-juin, puisque ma mère se fait opérer d'un œil, ou des deux, je sais plus. Donc elle ne pourra plus conduire pendant un mois. Voilà. Voilà. Donc elle ne peut plus faire. Quoi. Elle peut conduire vite fait, donc pour son travail, ça le fait. Elle travaille que dans ma ville. Elle connaît la ville par cœur. Par contre, elle ne peut pas faire de grands chemins avec des grandes routes et plein de voitures. Donc elle m'a dit, en plus elle m'a dit, heureusement je me fais opérer le 15. Parce qu'ils lui ont donné un rendez-vous le 15. Elle me dit, heureusement que ton rendez-vous c'est le 14.
Voilà. Donc bon, on verra bien. Je suis désolée, hein, Melba est en train de défoncer ma fine. Comme d'hab, elle lui chope un gigot. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-le! Non, m'embrasse pas! Oh, faut que je te lave les dents, toi aussi, hein. Non, mais... T'es dégueulasse, ma fille, il baille, tu lui mets ta langue au fond de la gorge. La vache d'amidale, quoi. Qui rit. Mais lâche son cuisseau. Mais... Toi aussi, tu piles la gueule. Ah bah, cette famille, mais en même temps... Aïe, oh, ah, ah, aïe, aïe, aïe. Ah, mais cannelle, plus de dents, cannelle, ses dents, c'est la fin du monde. Hein. Et je peux pas tout lui faire retirer, et puis elle a 14 ans, j'ai pas lui faire une anesthésie générale, au risque, même si elle est en bonne santé en soi, mais... Ah bon, j'ai oui. J'ai monté tout à l'heure. Quand t'as monté cannelle. C'est bizarre de dire j'ai monté cannelle sur le lit. Oui, non, mais quand tu dis j'ai monté, t'as fait de l'équitation. Ouais, elle est un peu basse, mais au moins je touchais par terre. T'aurais pu monter Laïa à l'époque. Je peux te dire que quand Laïa elle passe entre les gens, tu fais wouh. Tu t'avais les jambes qui. Ah, berge au stra. Bon, j'ose même pas imaginer un bouvier, hein. Oui, bah oui, je m'assois. Chaise. Orco, 80 kg chaise. 80 kg. 80 kg et la loupe de 60. 80 kg. Putain, mais c'est pire qu'un Saint-Bernard. Ah bah il te dit bonjour, tu sais. Mais c'est pire qu'un Saint-Bernard. C'est plus gros. C'est plus gros qu'un Saint-Bernard, un bouvier. Pas touffu, moins touffu. Je t'ai pas montré. Non, non, tu montreras les photos des bouviers. Des boubous. Des boubous. Non, parce que quand tu dis boubou, moi pour moi c'est bulldog français. Un bouvier bernois. Oui, ben non, c'est bulldog bébé. Français. Des gros bébés. Un gros bébé. Un gros bébé. Donc j'ai bien reçu ma cire hier. Donc je vais pouvoir faire plein de bougies, plein de fondants. Non, je fais pas de bougies. Je vais pouvoir faire plein de fondants. T'as pas ton téléphone? Je l'ai là, la photo. Ah, t'as une photo en vrai. Regardez mes gros Doberman. Regardez mes gros Doberman. T'as quelque chose à dire pour ta défense, toi? T'as quelque chose à dire pour ta défense? Madame, je mange les cacas des chats. Non, il n'y a rien à manger, c'est pas des croquettes. Voilà, les chiens ont entendu un sac. Ils pensent qu'ils vont manger les croquettes de Charlie. Eh bien, non. Donc, écoutez, je vais aller faire mon café et je vous dis à toutes. Il est 4h11 du matin. Les garçons sont partis à genre 25 minutes, une demi-heure. Ils sont arrivés assez tôt, ils sont arrivés avant 23h, non avant 22h, puisqu'ils sont arrivés, non ils sont arrivés après la mi-temps, parce que Z voulait le résultat du match de foot, et donc ils sont arrivés, devait être ouais, 21h50, un truc par là. Ça devait être 21h50, un truc par là. Donc, ouais, ils sont arrivés. On s'est bien marré. Jen nous a fait des trucs avec ses jambes. Mais j'ai réussi à le faire. Le tailleur, là. J'ai réussi à le faire. Mon chéri, lui, là, il est difforme des wads. Hein, je ne cherchais pas à comprendre. Il arrive à faire un angle à 90 avec sa première phalange de pouce. Mais dans ce sens-là, hein, pas comme ça, hein, dans ce sens. Non, il n'a pas une phalange de plus, on a forcément que deux phalanges au pouce. Mais non, c'est comme tes articulations. Hein. Toi, tu peux faire un tour complet de ton bras. C'est pas normal. Donc voilà, donc j'ai pas de nouvelles pour les lasagnes. Ils veulent pas me répondre, les gars. On est marre. Moi, je fais les courses pour leur faire des lasagnes. S'ils veulent des lasagnes, ils m'ont répondent pas. Bon, bah tant pis. Tant pis. Et puis voilà, donc... Tu veux éteindre la télé? D'accord. Jen a mal au crâne. Elle a un peu mal au crâne. En même temps, entre la fumette, je parle de cigarette, à la fenêtre, dans un courant d'air monumental, ça aide pas. Ouais, mais ça aide pas quand même. Hein. Plus la fatigue, puisque Jen s'est quand même levée à 7h du matin. Et l'entretien est validé. Hip hip hip, hourra. Hourra pour Jen. Ouais, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, il faut que je fasse le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui. Quoi, de demain, peu importe. Charlie.
Il est sorti, il est revenu. J'ai pas lavé mes dents, rien du tout. Jane pète un mal au crâne. Elle est fatiguée. C'est la fatigue. Charlie, je te vois, t'es pas tout, non? Ce que je peux comprendre. Moi, j'ai bien dormi, donc ça va, pas de problème. On n'a perdu aucun des garçons. T'as failli en perdre un tout à l'heure. J'ai mal à ma joue. Mal à ma joue, j'arrête pas de me prendre la dent dedans. Melba, ce n'est pas toi qui dors avec Jen. Melba, c'est Charlie qui dort avec Jen. Viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir maman. Mais non, pas toi. Non, toi aussi. Oui. Oui. Dodo, ma fine. T'as un dodo, maman? Hop là. Oh bah dis donc, j'ai plein de câlins de mes chiens. Pour pas changer. Hop là. Ils ont été punis. Ah, elle me filme, je patron. Il faut que j'aille mettre quelque chose sur mes lèvres, j'ai très mal. Voilà, donc écoutez, la soirée en soi s'est bien passée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les garçons plus en forme que depuis un mois. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a Charlie qui mange. Le ramadan, c'est épuisant pour eux. Mon chéri me l'a dit. C'est épuisant pour eux. Puis même, ils perdent de l'énergie, ils perdent du poids pour certains. Ce que je sais, qu'à ce qui est vrai, pendant le ramadan, certains grossissent parce qu'ils se rattrapent vachement le soir. Et après, il y en a qui mangent normalement le soir. Ça dépend. Et je pense que mon chéri, du style, a mangé normalement le soir. Et pas avoir une femme qui lui fait un vlal le repas dans la journée. Comme, voilà. Ah, les hommes célibataires. Les hommes célibataires. Les hommes. Qui boit les hommes. Les hommes tout seuls chez eux. Ils peuvent pas manger des bons petits plats. Voilà. Mais bon. Alors, je me suis reposé la question. Pour les femmes musulmanes qui cuisinent. Vous n'avez pas le droit de goûter. Donc comment vous savez si c'est bien assaisonné? Je sais pas. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Je sais pas. On se posait cette question. Puis même avec l'odeur de la bouffe, ça doit donner faim. Hein. Melbot et toi. Je sais pas. C'est bon. Ce n'est qu'un lointain souvenir. Maintenant. Oui, ce n'est qu'un lointain. Jusqu'à l'année prochaine. Hein. Bon, Jen, je vais la perdre dans 2-2. Attends 2 minutes. Ouais, dans 2-2, dans 2 minutes. Un coup de Pepsi. Un coup de Doliprane. Et dodo. Non, peut-être pas maintenant. Peut-être pas. Melba, t'arrêtes de faire le dinosaure. Bon, fais le dinosaure si tu veux, mais vire pas cannelle. Oh, qu'est-ce que c'est là? Je rappelle que les questions pour la FAQ sont terminées. Hein. Gwendoline m'en a posé une dernière. Mais comme je n'ai pas encore tourné la vidéo, ça va. Enfin, on n'a pas encore tourné la vidéo, donc ça va. Donc voilà, on doit tourner la vidéo. Donc, On va le faire. C'est comme la vidéo produit terminée. On va le faire. Charlie! Il mange! J'ai dit qu'il mangeait, Charlie. Non, il arrive. Maou! Non, tu vas pas sous le lit, Charlie. Ah, Charlie, il a trouvé comment rentrer sous mon lit. Non. Psst. Charlie. Va dodo avec ta maman. Va dodo avec maman. Non, il va lancer le tir. Ah non. Aïe, Melba. Donc écoutez, je fais le tirage au sort du fondant et je vous reprends. Tirage au sort du fondant. Et le gagnant est... Pâte à tartiner. C'est bon, tiens. Aime bien. D'accord. C'est bon. J'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, d'aujourd'hui. Et le gagnant est donc
pâte à tartiner. Voilà. Moi, il faut encore que je regarde la vidéo de Salomé. Voilà, avant de me coucher, je vais regarder la vidéo de Salomé. De toute façon, j'ai le vlog à monter. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai filmé. Pas spécialement longtemps. Je dirais que j'ai dû filmer à peut-être. J'avais filmé sur le livre hier. J'ai dû filmer 6-7 minutes hier. J'ai dû filmer, ouais, un quart d'heure aujourd'hui. Donc le vlog ne sera pas très long, je suis désolée. Mais bon, je vais laisser Jen se reposer. Je vais arrêter de blablater. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!